Initialisation du système Atlas pour combinaison lancée. Système de survie activé. Système de bouclier cinétique activé. Scanner endommagé. Réparation requise. Jetpack de propulsion aérienne activé. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Et salut tout le monde! On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un jeu très attendu. Un jeu qui s'appelle No Man's Sky. Et qui a des putains d'anneaux en cailloux volants. S'il vous plaît. C'est quand même bien n'importe quoi. Attends, je me fais déjà taper par quelque chose là? Qu'est-ce... What the fuck? Alors, vous voyez ça? Alors, je viens tout juste de lancer le jeu, hein. Attention. Moi, je suis un dingo, je filme direct, j'ai à peine configuré les touches, et il faut croire que j'ai déjà fait de la merde. Puisqu'à l'évidence, quand je fais ça, je fais une putain d'esquive, ou un machin, ou... Enfin, bref, c'est pas très pratique. Donc, je règle ça, et je vous retrouve tout de suite. Et donc, me revoilà. Et je peux enfin me déplacer librement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le corps à corps, en fait. La touche de corps à corps, qui doit donner des espèces de coups, comme ça. Donc je débarque tout juste. Hein. Le jeu fait pas mal parler de lui depuis quelques mois, comme je l'avais dit. Et surtout, il fait pas mal parler de lui maintenant qu'il sort sur PC, puisqu'il paraît que les performances ne sont pas tellement au rendez-vous. Bonjour, l'optimisation du cul. Alors, je dois avouer que là, sur le mien, j'ai pourtant une bonne machine, hein. Mais c'est pas fantastique, hein. Ça a l'air un peu de visu à l'œil. Je sais pas, j'ai pas vérifié plus que ça, mais on verra bien à l'occasion en jouant. La réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant, je vois des débris, puis l'autre, un grand orbe rouge, presque trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le regarder. Il me connaît, de fond en comble. J'espère pas au sens biblique du terme, parce que sinon ça doit être moche à voir quand même. Mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même? Ou bien, à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé? Oh. Mon Dieu, c'est trash. Un nom incandescent pénètre mon esprit, Atlas. Ainsi qu'une demande inexprimée, que je suive la voie de cet être, cet Atlas a prévu pour moi. Accepter l'orientation de l'Atlas, refuser l'orientation de l'Atlas et explorer librement. On va accepter quand même, parce que bon... Je me sens recouvert d'une émanation d'approbation bienveillante. J'étais perdu, mais on m'a trouvé. L'Atlas reconnaît mon allégeance. Et j'ai pas eu le temps de lire, espèce de gros bâtard! Putain. Jeu en mousse qui t'empêche de lire, sérieusement. Ils ont bien craqué sur l'effet de... Sur l'effet de flair. Sinon, l'histoire, là, a l'air bien... Bien, comment qu'on dit? Je sais plus le nom. Bien spirituel en soi. Elle me fait penser un peu à Oblivion, mais bon, je vais pas en dire au film avec Tom Hanks, là. Mais je vais pas en parler beaucoup, parce que sinon, ça serait pas spoiler le film, qui est quand même vachement cool, donc je vous invite à aller le voir. Et sinon, on va fouiller un peu. On a trouvé des éclats de blindage. Ouh. Faut que je quitte la planète. On va d'abord fouiller partout, hein. Nouvelle technologie, appuyez sur Tab pour ouvrir l'inventaire. Arme laser d'extraction d'astéroïdes. Tac, 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 appuyez sur E1 pour l'activer. Fer, iridium, tanium. Tamium. Eh, pourquoi pas? C'est cool, ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouh, je peux tout cramer. Alors. Rasamama. Rasamama S36. Ça, c'est du nom de vaisseau, ma gueule. Tu peux pas tester. Alors, qu'est-ce que je peux ramasser? Ouh! On trouve plein de cabanes dans les plantes.
C'est normal, j'éclate une plante et dessous il y a une autre plante. Bon, on a du carbone, d'accord. L'effet d'explosion est très sympa en tout cas. Du fer! Quoi? Où ça? Elle est où la saloperie? Non! Vite, le vaisseau! Ah! Ok, d'accord. Je vais déjà mourir. Cette technologie est dans un état critique. On va pas pouvoir décoller. C'est la dèche. C'est la dèche, j'y comprends rien. Je me fais déjà violer par des bestioles. Alors, système d'atterrissage vital et de décollage. Maintenez W pour décoller de la planète. Maintenez sur Space pour garder pour activer l'accélération en vol. Il me faut des feuilles de carite. Pour réparer. Et un pulso-réacteur. Il me faut des feuilles de carite, de l'iridium, du zinc. Ouais, d'accord. Moi, je veux bien, mais j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Donc, bon. Ouais, d'accord, on peut déplacer les trucs. C'est super, on peut installer des technologies. Par contre, moi, je veux bien, mais comment je me débarrasse de ces bestioles? Détruisez les drones avant qu'ils n'arrêtent d'autres, ou évitez de les détecter pour vous enfuir. Bon, bah, c'est foutu, hein. Je vais ressortir de ce vaisseau. Et je vais me battre. À mort! Ah! Et de 1. La musique est très cool en tout cas. Attention. Unité de combat sentinelle déployée. Mais non! On retourne se planquer dans le vaisseau. Ils sont où? Ah, ils vont bousiller mon vaisseau. Ils sont là à droite. Je vais crever. Hop là, un de plus. Donc il est l'autre, il est là. Ah, c'est pas simple. C'est bon, ils reviendront plus. Bon, module neutrino, force sentinelle désactivée. Ah bah j'espère bien. Ah, regardez, en fait, il y a des anneaux comme celui que j'ai là au-dessus, mais un peu partout, en fait. On en voit au loin. Il y a une belle distance de vue. Étape de voyage atteinte. Si vous le dites. Novice, une sentinelle détruite. Yeah. Bon, voilà, j'ai fini le jeu. Merci, au revoir. À la prochaine. Non, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Par contre, leur musique, elle est cool, mais il y a une espèce de sale bruit de grésillement qui vient du jeu. C'est pas ce qu'il y a plus fun. Alors, transporter des objets de l'exocombinaison vers le vaisseau en appuyant sur X depuis votre inventaire. En faisant tab pour l'inventaire. Bon, il nous faut du fer. Alors, faudra que je trouve comment des... Eh merde. Mais elles attaquent tous les combien, ces saloperies? Ah non! Mais non, mais me fais pas ce coup-là! Tu vas pas me faire ça, jeu! Ah, il est sérieux! On se fait rouler dessus dès le début, quoi! Déplacer, organiser, transférer objet, jeter. Ouais, d'accord. J'ai un bouclier, super.
J'ai rien pour réparer. Faut que je trouve comment faire des feuilles d'oxyde, là, machin, truc. Parce que ça va pas le faire, sinon. Fabriquer un produit. Ah ah! Regardez ça. 50 sur 50. Nickel, on va pouvoir créer des feuilles. On va peut-être bien pouvoir... On va peut-être bien pouvoir décoller. Donc on en a 2 sur 4. Il nous en faut plus. Ok, il y a une gestion de l'intérêt de l'inventaire comme ça, où en fait on peut pas... stacker les choses. Ça va être pratique. Donc là, on doit pouvoir le réparer. Ouais, on va pouvoir décoller peut-être un jour. Encore que... Charger l'équipement avec du plutonium. Mais où est-ce que je trouve du plutonium? Bon sang. Et j'ai plus assez de fer. Il va falloir que je ressorte, hein. Mais ils m'attendent. Oui, bah merci, je sais. Bon, il va falloir que je ressorte. Ah, mais j'ai plus d'énergie. Qu'est-ce que je suis censé faire, là? Réparer le pulso-réacteur. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien réparer le pulso-réacteur, voyez. Détruisez les drones avant qu'ils arrêtent. Ou éviter d'être détecté pour vous enfuir. Comment je fais pour éviter d'être détecté? Parce que là, je suis un peu détecté. On va essayer la fuite. Il ne reste plus que ça. Ah, super, voilà les renforts. Je vais me faire rouler dessus. Sentinelle désactivée. Ok, d'accord. Bon, on va dire qu'il a rien vu. On va essayer de trouver comment comment remettre de l'énergie dans notre arme, hein. Parce que bon, faut pas déconner. J'ai un jetpack quand j'appuie sur space. C'est bon à savoir, ça. Système de survie. Chargé avec des éléments isotopes. Donc les éléments isotopes, ça doit être le carbone et tout ça, d'après ce que je me rappelle avoir vu. Ok, j'ai des éclats de blindage, protection, machin, facile à fabriquer. Souvent stockés dans des caisses jaunes. Super, c'est trop pratique. Moi, je veux savoir comment je recharge mon multi-outil. Voilà, multi-outil, là. Rayon d'extraction, vide. Il est en train de me rouler dessus, là, ou bien? Attendez. Ah non, il m'a pas vu. C'est bon, il m'a pas détecté. Il me voit pas. Il ne me voit pas. On va se dire ça. Recharger avec du carbone. Voilà. Ensuite, le scanner réparé avec du carbone. J'ai plus de carbone. Hop là, la visière d'analyse. C'est bon à savoir, ça. Appuyez sur F pour activer. Du carbone, mais il est où l'autre bâtard? Parce que j'ai pas envie de me faire. Ah ouais? Et ça n'a aucun sens, cette histoire. Vite, fuyons! Ok, j'ai plus d'énergie ou quoi? Je peux plus courir. Alors bon, ils sont gentils avec leur gameplay émergent, mais... C'est pas tous les jours très simple. Je suis caché. Mais laissez-moi tranquille. Ah, super, des renforts. Et je vais vous dire, il a l'air chaud le début de game, là. Je me fais rouler dessus. Oh bon, m'enfuir, ça avait bien réussi la fois d'avant. C'est bon, elles ont arrêté de me voir, donc elles m'ont oublié. Ok, d'accord, on a fait le tour.
Eh ben c'est pas simple comme jeu, je crois. Hostile en approche. Ouais, j'ai vu, merci. Je vais encore plus avoir d'énergie. Hop là. Où sont les autres? Je vous attends. C'est très dur à viser, n'empêche, avec ce flingue. J'espère qu'on en a un mieux après. Nouvelle technologie découverte. Intensité de grenade Sigma. Alors, les grenades du lanceur, oh là, je me fais rouler dessus. Elle est où ma vie, en fait? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Hop là, ça c'est fait. Bon, il y en a encore d'autres, mais... Encore des grenades différentes. Alors, provoque des dégâts accrus au sein de leur zone d'impact localisée. Ok, ça pourrait être pratique, n'empêche, d'avoir des... Alors, ces trucs-là, mais on va d'abord réparer le scanner. Et ensuite, chercher à installer une nouvelle technologie. Il me faut du plutonium dans tous les cas. Au minimum du plutonium. Pour l'intensificateur de rayon Sigma. La question, ça va être où est-ce qu'on trouve du plutonium? Il me faut du fer, des trucs comme ça. Sentinelle d'élite? Vous êtes sérieux, les mecs? Comme si j'avais pas déjà assez de mal avec les basiques. Bon, du fer, de l'oxyde, il me faut du carbone pour pouvoir recharger mon arme. Je vais rester caché là-dedans, hein. Bon, on n'a pas beaucoup de champ de vision, ce sera un truc à régler, ça. Merde, il m'a vu. Eh mince. Du plutonium. Oui, bah, t'es gentil, poupée, mais... Pour l'instant, je peux rien y faire à la sentinelle d'élite. En tout cas, le jeu est vraiment très beau. Ça, niveau ambiance, tout ça, il est fun. Il est très chouette, très coloré. Et par contre, après, niveau difficulté... What? Qu'est-ce que c'est que ce machin? D'accord. Moi, je pensais que c'était un petit, c'est genre un aussi gros que les volants, mais en mode chien. Mais non. Ils se sont dit, oh, le début du jeu, il est pas assez difficile. On va faire un. On va mettre des putains de gros robots de l'enfer. Ah, il n'y a plus de boubou. J'ai plus de boubou. Nouvelle technologie, chargeur lance-foudre Sigma. Ouais, d'accord, c'est super, mais... De toute façon, j'ai pas tout ce qu'il faut pour la faire, ta technologie à la con. Il manque du fucking plutonium. Et alors, où est-ce que je trouve du plutonium, ça? Déjà, comment j'utilise mon scanner? Appuyez sur C, scanographie locale. Et maintenez F pour activer.
Alors, on va scanner des trucs. Arrivée 0,15 secondes, vaisseau. Ah oui, d'accord, c'est là où je suis. Ok, bon, déjà j'ai ça. Ensuite. D'accord, j'ai des ressources à proximité. Super! Comme si ça suffisait pas, on va crever. Charger l'équipement avec des isotopes. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas ce que c'est que ces trucs là, arrivés, machin. La musique à fond par contre, t'es gentil jeu, mais... La musique s'avère être plus fort que le reste du jeu. Allez, bouge pas. Ah! Voilà. Nouvelle technologie. Putain, mais j'en chope combien des... Unité complémentaire. Les grenades du lanceur plasma créent des cratères d'impact élargis. Super, faudrait déjà que j'ai les grenades, les mecs. Bon, ici, je vais rien trouver. Oh non. Eh, oh! D'accord. Non, non, il est où? Bon d'accord, je suis coincé dans ma grotte. Viens ta grotte, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bon déjà on va devoir recharger le... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Du titanium, oxyde très puissant, recharger les technologies défensives. Ouais d'accord. Sûr que la défense ça me plairait bien mais bon. J'ai un jetpack dans le vaisseau, j'ai un propulseur à réparer. Il va falloir du fer pour réparer les propulseurs. Et une fois que j'aurai ce fer, de toute façon, il va me falloir du... De l'énergie, voilà, il me faut du plutonium. Iridium et zinc. Haha. Ça va être très fun. On va commencer par le fer. Ça, au moins, j'ai mes chances. Ce que je comprends, la barre qui est en haut à droite, en fait, c'est la surchauffe. C'est la surchauffe de mon arme. À gauche, c'est mon bouclier, en dessous, la vie. Et par contre, à droite, les petits carrés, ça ressemble au logo du jeu. Il me semble que c'est ça l'Atlas, mais j'arrive pas à savoir précisément qu'est-ce que ça peut bien être. Farme le fer à fond. Super. Bon, on va créer un nouvel objet.
Alors, où est-ce que je vais le créer? Est-ce que je peux le créer là? Eh non, ça marche pas. Ah. Il m'en faut deux. Bah voilà. Et à part ça, je suis blindé en fer. Alors, X, transférer objet, téléporter les objets de votre combinaison à votre vaisseau. Voilà, ça peut être pas mal ça. Ah, du titanium. Les modules très appréciés lors des échanges. Bon, j'en ai pas tellement lui dit pour l'instant. Je balance tout dans le vaisseau. Voilà. Alors, mon vaisseau en plus a pas toutes les cases de plaine. Donc ça va pas être fun. Il va vraiment falloir du plutonium, mais... On avait dit c'est C pour scanner. Normalement, elles sont là-bas. Ah, il faut un passe-atlas, zut. Perle de fascination. Ça c'est de la bête quand même. Bon, on retourne se cacher dans la grotte. Faudrait que je les bute, mais avec quoi, n'est-ce pas? Récupérer un peu de carbone. Autant qu'on peut. Le jeu est bien, mais dur à démarrer, hein, franchement. Alors, si je scanne des choses. Rien à scanner. Je veux pas genre découvrir le point faible du gros là. Aïe 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 aïe. C'est le viol. What? C'est vraiment des saloperies, hein. Désolé, mais... Clairement. Ah! Super, impossible de sortir de la grotte. Bon bah c'est génial hein. Tout est super génial. Je suis coincé dans une grotte. Voilà, donc pour ce... On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si je devais résumer ce premier épisode, cette première découverte de No Man's Sky, c'était... Déjà je vois tout de suite le titre. Je vais l'appeler bien ta grotte, hein, clairement. Et puis, merci, quoi, la difficulté. Allô. Les grosses bestioles, elles sont un peu trop... Les grosses sentinelles, elles sont un peu trop dures à zigouiller. Et pendant... Voilà. Donc, je vais regarder. La prochaine fois, on essaiera de faire des grenades, histoire de leur niquer leur gueule, et ensuite de réparer le vaisseau. Ah, plus. À la prochaine. Et pour ceux qui attendent du Zelda, vous inquiétez pas, ça va venir très très vite. On a 3 jours de vacances aujourd'hui. Enfin, de vacances... On a un bon gros week-end de 3 jours, donc ça va tourner un max. A plus tout le monde. Tchuss.